Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Voilà, je vais juste parler d'un truc que moi, normalement, on fait ça tout le temps. Je sais pas si vous connaissez le magasin Auchan à la Seine. C'est pour dire que moi, j'ai fait les courses ce mois-ci. Et de base, il y a quoi? Je vais dire ça, 4 mois, 5 mois. Quand je faisais pour 250 euros, j'avais limite 2 caddies parce que je prenais les trucs les moins chers. Mais maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, mais les prix, ils ont tartement augmenté. Et que certains produits qui étaient peu chers, maintenant ils ont augmenté. C'est plus de la marque Le Pouce, maintenant c'est devenu la marque Auchan. Au vu de, je vais dire, sa voisin, 80 centimes, il a augmenté à 1 euro. Donc je sais pas, franchement, moi je trouve que c'est assez cher. Et après, ils disent que c'est l'un des magasins les moins chers qu'il y a. Je sais pas, honnêtement, je sais pas, je peux pas dire. Déjà, je sais que Auchan, Leclerc, c'est quand même assez cher. Il y a des trucs qui sont pas chers, j'avoue. Mais après, il y a des trucs, ils exagèrent, hein. Ils exagèrent, je sais pas, voilà. C'est pour ceux qui sont d'accord avec moi, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez et n'hésitez pas à me dire l'un des magasins les moins chers que vous trouvez. J'ai essayé Lidl, certains magasins. Certes, il y a des trucs qui sont pas chers, mais comme il y a des trucs qui sont chers. Après, il faut savoir aussi, j'ai différencié la qualité et la qualité qui vaut rien, quoi. Parce que quand on prend des trucs pas chers à Auchan, là, des moins chers, c'est de la merde comparé à Leclerc. Et après, il y a des trucs à Leclerc qui sont vraiment pas chers et que c'est de la merde comparé à Auchan. Voilà, c'est un truc comme ça. Bon, dites-moi ce que vous pensez de l'un des magasins les moins chers que vous trouvez. Et me dites pas Leclerc parce que vous savez, vous regardez la pub ou quoi. Non, ne vous fiez pas à ça. Dites-moi vraiment, vous, ce que vous pensez. Où vous faites les courses, les grandes courses et tout tralala. Bon, allez.